Voilà, c'est un monsieur que j'admire beaucoup. Je vous laisse. C'est un ami, un grand artiste. Il représente la France dans le monde entier. Et je suis très honorée d'avoir ce soir à mes côtés monsieur Charles Aznavour. L'espace d'un baiser, sans rester sourd à tout, mais n'en rien changer. Car un au revoir ne peut être l'adieu. Je vis l'espoir et m'en remets à Dieu. Charles, quelques... Attendez, je vais récupérer les micros. Venez, venez avec nous. Quelques petites secondes quand même, parce que c'est vraiment très aimable à ah vous oui, d'avoir c'est accepté. C'est un cadeau qu'il nous a fait, Charles. Voilà, qu'il a fait à Mireille d'abord. Je suis venu en ami et en voisin.
C'est vrai. Charles, bientôt au cinéma, puisqu'il y a quelques semaines, c'est terminé un tournage, je crois. Oui, c'est pas terminé encore. Non, non, encore pas encore. Encore quelques mois de travail. Promo, bien. Et puis, une petite question qui, j'espère, ne sera pas trop indiscrète, mais que j'ai envie de connaître, ainsi que pour nos amis. La rencontre Aznavour-Mathieu, ça s'est passé quand et comment? Oh, il y a très longtemps pour moi, enfin, à mes débuts, il y a 15 ans. Et Charles m'a toujours encouragé. C'est important quand on démarre, et là, surtout d'être encouragé par monsieur Charles Aznavour. C'est très important pour un artiste. Je n'ai pas encouragé Mireille, je savais qu'elle avait du talent, ça se voyait, et j'ai simplement constaté, je le lui ai dit. C'est bien. Merci Charles Aznavour. Merci. Cette chanson, Une vie d'amour, est signée Charles Aznavour pour le texte, et Georges Garvarentz pour la musique, il fallait le préciser.